de base. Salam, pourquoi les instruments à cordes et à vent sont interdits en islam? Merci de votre réponse. Parce que ça occupe le cœur de choses qui ne sont pas desquelles il devrait s'occuper. On sait que, par exemple, la musique, de manière générale, ça occupe le cœur. Ça fait que la personne, elle fredonne cet air-là, de sorte à ce que là, si je fredonne un air, même d'une publicité connue ou autre que cela, ça va vous rester en tête, n'est-ce pas? Vous allez y penser, vous allez y penser. Alors que ça doit être un espace dans l'esprit de la personne qui doit être laissé pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous comprenez? Donc cet air-là qu'on fredonne dans l'esprit et qui nous occupe l'esprit toute la journée, je vous torturerai pas avec un air que je vous donnerai, aussi parce que ça ne convient pas. Mais vous savez de quoi je parle. Eh bien, c'est un espace qu'on doit laisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que les personnes qui se lancent dans cela, elles sont encore plus passionnées que les simples personnes qui écoutent et qui ont cet air-là qui passe dans leur esprit.